À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la Sardaigne est un hameau de Cluses qui ne compte que 176 habitants et des terrains agricoles. La pression démographique au sortir de la guerre va faire passer la Sardaigne du statut de hameau champêtre à celui de véritable quartier urbain. Et le projet est ambitieux, incluant des maisons individuelles, des immeubles collectifs, un centre commercial, un groupe scolaire, un lieu de culte, 7 km de voirie, des réseaux électriques et d'assainissement, et même un marché créé en 1966. Ce sera le jeudi après-midi, jour sans école à l'époque. Pendant plus de 15 ans, la Sardaigne n'est qu'un vaste chantier. En 2003, le ministère de la Culture décernera le label patrimoine du XXe siècle au lotissement de la Sardaigne pour la qualité de sa conception. Ce quartier que l'on doit aux architectes Maurice Novarina et Philibert Plottier.